PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à vous. Bonsoir. Les gars, Mazen, très belle soirée ce soir, manifestement. Qu'est-ce que vous avez pensé de vos joueurs? Ils ont été incroyables. Hakimi, Ugarte, Barcola, ils ont tous été incroyables aujourd'hui. Il n'y a pas un qui a été mauvais. D'accord. Qu'est-ce qui vous aura frappé sur la façon de jouer du Paris Saint-Germain? Moi, c'est vraiment les récupérations de balles hautes, le pressing constant. Dès qu'on perdait le ballon, direct, prise à 3, bam, Ugarte, dans ça, on le connaît, c'est le meilleur. Directement, on récupère le ballon, laisse étouffement, on les laisse pas respirer. Et c'est ça qui a empêché qu'ils développent un jeu. De toute façon, aujourd'hui, c'était clairement un match d'entraînement limite. Donc ouais, ça m'a fait vraiment très plaisir. D'accord, donc c'est terminé le Paris Saint-Germain qui joue une mi-temps, qui joue 60 minutes, puis se rendort. Franchement, aujourd'hui, c'était terminé. Après, sur la saison, on va quand même patienter pour voir. Mais aujourd'hui, on a fait un très grand match. J'ai beaucoup aimé les replis défensifs de Dembélé et de Barcola sur leurs ailes avec Hakimi et Lucas Hernandez. C'était vraiment magnifique. D'accord. Qu'est-ce que vous avez pensé? Donc oui, tu m'as parlé de Lucas Hernandez, mais j'ai envie de parler de cette défense centrale, notamment avec Marquinhos, hein, qui, semble-t-il, montre un nouveau visage, ou en tout cas différent de la saison, peut-être des saisons précédentes. Bah, Marquinhos, il revient très très bien en début de saison. On est content parce qu'on se demandait comment il allait entamer cette nouvelle saison-là avec les deux dernières qui ont été vraiment compliquées pour lui. Et bah là, je pense qu'il est aussi conscient de la concurrence, surtout si Nuno revient, peut-être que Lucas pourra basculer au central. Donc il est conscient de ça et là, il se met au diapason. Donc on est content avec Skriniar, la défense centrale, très complémentaire, elle est parfaite. C'est pas... Donc Kimpembe ne rentre plus dans l'équation ou pas du tout? Si, bien sûr, il rentre toujours. On attend de voir comment il va revenir parce que sa blessure, elle est très longue. Mais c'est que de la concurrence et tout ça est bien pour le Paris Saint-Germain et pour notre club. Très bien, un mot à rajouter pour terminer cette belle soirée? Moi, j'ai envie de parler de l'ambiance. Ouais. Elle a été exceptionnelle aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu un vrai virage Auteuil et des vraies tribunes latérales. Et même Boulogne, parfois, ils n'hésitaient pas à envoyer des chants. Donc, ça fait plaisir. C'est un très bon début. C'est pas encore comme avant le Prou, mais c'est un très, très bon début. Merci à vous, les gars. Merci.